Aujourd'hui, je vais construire une pièce secrète dans la chambre de Bilal. Depuis qu'on est arrivé dans cet immense chalet, Bilal ne laisse personne entrer dans sa chambre. Et moi, vous me connaissez, j'adore construire des pièces secrètes. Du coup, je me suis mis au défi d'en construire une dans sa chambre et d'y rester enfermé le plus longtemps possible. Mais tout d'abord, je dois me débarrasser de Bilal et pour ça, j'ai tout prévu. Bilal, viens, 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 j'ai une surprise pour toi. Allez, viens, dépêche-toi là, y a pas le temps. Manger. Tu vas être en retard. Allez, viens, dépêche-toi. Tu m'emmènes où? Tu m'emmènes où? Mais attends, 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 vas-y, attends. Mais c'est une surprise, je vais pas te dire. C'est quoi ça? Si, tiens Bilal, ta veste, toutes tes affaires, tu vas passer une journée au ski. Allez, allez. C'était pas prévu. Dépêche-toi. Je veux pas aller skier aujourd'hui. Allez, t'inquiète pas. C'est pour une vidéo, tiens, prends la caméra. Oublie pas de te filmer. Allez, salut. Nickel les gars, on s'est débarrassé de Bilal. Maintenant on va pouvoir faire la pièce secrète. On va pouvoir enfin aller dans sa chambre. Ok, c'est juste ici. Oh là là là, c'est incroyable les gars. On est chez Bilal. S'il voit cette vidéo, il va me tuer. Oh là 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 là. Ah là, je suis mieng. Oh là là, attends, il y a quoi dans sa chambre? Petit parfum, fais voir si ça sent bon. Oh, j'aime bien. Bref, faut que je trouve une cachette pour pouvoir l'espionner dans sa chambre sans qu'il me voie. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Fais voir ici. En vrai, là, attends. Là, c'est pas mal. Là, on a un truc. En vrai, c'est bien, mais j'ai peur que Bilal me voie là. C'est pas assez caché. On va voir si là, au niveau du placard, il n'y a pas une meilleure cachette. Peut-être là-dedans. Tac. Ah, dommage. Ah, ça aurait été parfait, mais la vitre transparente. Je suis cramé à 10 000 km. Tac. Fais voir là-haut. Non, on peut pas y aller. Faut que je trouve une bonne cachette. Allez, allez, allez. La chambre, elle est immense. Oh, j'ai trouvé un truc bien là. Là, vous me voyez. Et là, vous me voyez plus. C'est une bonne cachette, mais s'il va sur le balcon, il vient me voir direct. Faut que je trouve une meilleure cachette, les gars. De toute façon, sa chambre, elle est immense. On va forcément trouver la cachette ultime. En vrai, ça va être compliqué, là. Je sais pas trop où c'est que je pourrais le cacher. Fais voir ici. Non, il y a rien. Oh, mais c'est incroyable. Fais voir. Oh, la dinguerie. Attends, faut absolument que j'aille voir ce qu'il y a là-haut. Bon, les gars, on vient d'arriver au ski. On va passer une journée incroyable. Merci à toi, Twanlag. C'est dommage que tu sois pas venu avec nous. Parce que là, aujourd'hui, on va passer un moment de malade. Allez, c'est parti, les gars. Les gars, j'espère vraiment qu'il y a la place pour se cacher. Ok. Attention, c'est le moment de vérité. Oh, oh la dinguerie. Oh, mais c'est parfait. Attendez, je vais aller voir. Ah, c'est galère de monter, par contre. Oh, mais je suis trop bien là, mais. Oh, c'est une dinguerie. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Je peux même me mettre debout tellement j'ai de la place. Donc là, la prochaine étape, c'est d'aménager cette pièce en une pièce secrète gaming. Comme ça, je vais pouvoir passer toute la journée ici à espionner Bilal. Allez, c'est parti. Wow, c'est archi haut. Oh, t'imagines, tu tombes là comme ça là. Sarton, là, que t'es vraiment un bon de m'avoir offert une journée de ski parce que là, ça va être incroyable. Là, les gars, je vais vous montrer mon vrai niveau ski. J'ai pas skié souvent dans ma vie, mais là, vous allez être choqués. Y a pas de chasse-neige, y a rien. J'ai trop envie de débouler toutes ces pistes là. Elles sont trop belles. Et en plus, regardez la vue qu'on a. C'est incroyable. Regardez-moi ça, les gars. Ça, c'est mon immense réserve de nourriture. Et comme je compte rester un maximum de temps dans la pièce secrète, je vais prendre un maximum de nourriture. Et on commence directement avec les chips, les gars. Les Pringles, j'adore ça. Je vais prendre tous les goûts. D'ailleurs, toutes ces provisions ont été achetées grâce à Igral. Mais ça, je vous en parle plus tard dans la vidéo. Oh là 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 là, ça va être une dinguerie. Ça y est, les gars, on arrive. J'ai limite envie de sauter tout de suite. Mais c'est beaucoup trop dangereux. Allez, c'est parti. Un petit virage à gauche, un petit virage à droite. Bon, je crois que je vais commencer à prendre de la vitesse. Et c'est parti. Petit tout droit. Bon, les gars, mon objectif, c'est de rattraper tout le monde. C'est parti. Est-ce que tu veux voir un vrai dérapage de pro ou pas? Tu veux voir un vrai dérapage? Vous en dites quoi? Incroyable ou pas? Allez, c'est parti, on continue. Les gars, comme je vais rester le plus longtemps possible dans ma pièce secrète, faut absolument que je puisse boire. Et pour ça, regardez-moi toutes ces boissons. Donc là, je vais prendre du Fanta, encore du Fanta, encore du Fanta, et encore du Fanta. Oh là 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 là, là, il y a tout le stock de boissons. Allez, hop. Oh non, mais ouais, j'ai trop penché, c'est un mur. Oh, mes skis se sont croisés. Oh, j'ai eu peur. Une fois à gauche, une fois à droite, c'est parti. Oh, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai tout perdu, mes skis, mes bâtons. On est où? J'ai oublié carrément. Les gars, je veux que vous jugiez en commentaire mon niveau au ski. Franchement, pour quelqu'un qui a débuté dans le ski depuis 2-3 fois, ça, je suis trop bon, je suis trop fort. J'ai pas chuté. Allez, vas-y, j'ai chuté une fois. Et encore, c'était pas de ma faute. Par contre, les gars, le ski c'est bien, mais c'est grave fatigant. Donc là, je vais descendre une dernière piste et ça y est, je rentre. Et là, les amis, on passe aux choses sérieuses. Les bonbons. Oh, j'ai envie de tout prendre, mais je peux pas. La pièce secrète, elle est trop petite. Donc là, il va bien falloir choisir. Et je vous mens pas que
les Haribo, ils me font de l'œil. Allez, je les prends tous, tac. Voilà, oh là là, on va se mettre bien. Regardez-moi ça, le caddie se remplit. Bon là les gars, je vais commencer à tenter des trucs de fou un peu. Faut commencer à prendre des dangers. Allez, c'est parti. Oh voilà, j'ai voulu faire le malin, regarde comment j'ai fini. Ok, ok. Wesh, oh mes skis se sont croisés, ah. Par contre les gars, pour ma pièce secrète, il n'y a pas que la nourriture qui compte, il y a aussi la décoration. Et pour ça, j'ai tout prévu. Je vais prendre toutes les peluches qui sont là. Hop, on met ça dans le caddie. En vrai de vrai, hein, j'ai pas pris assez de bonbons. Hein. Allez hop, on en prend un peu plus. Sac, voilà, il n'y en a jamais assez. Les gars, là je suis actuellement au-dessus des nuages et on a un décor à couper le souffle. C'est magnifique. Et merci toi de like, franchement là, tu viens de me faire plaisir comme jamais. Il est temps de rentrer. Allez, on va rejoindre toi de like. Et la dernière chose qu'il me faut, c'est les lumières. Et regardez-moi ça, j'ai des maxi bandes LED avec des néons. On va faire la plus belle pièce secrète de tous les temps. Hop, je mets ça dans le caddie et faut que je me dépêche parce que là, Bilal, il va bientôt arriver. Allez, c'est parti. C'est grave lourd, ouais. Wesh, il fait quoi là, Bilal? C'était pas prévu ça, comment je vais faire maintenant? Faut que je trouve un moyen de rentrer dans sa chambre sans qu'il me voit. Ok, là, c'est bon moment. Allez, vite. Allez, 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 allez. Allez les gars, faut que je me dépêche parce que Bilal, il est juste en dessous dans le jacuzzi. Hop là. Attendez, je vais vérifier si Bilal, il est encore dans le jacuzzi. Hop. Ok, c'est bon. Là, faut pas faire trop de bruit. Voilà. Et regardez tout ce que j'ai acheté, si c'est pas une dinguerie, les gars. Oh, oh, oh. Oh là 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 là. Il y a au moins 10 kilos de provisions. Parce qu'en vrai, je sais pas combien de temps je vais rester dans la pièce secrète. Et surtout, le meilleur truc que j'ai acheté, c'est ces deux caméras de surveillance que je vais cacher dans la chambre de Bilal pour pouvoir l'espionner depuis ma pièce secrète. Donc là, je vais la cacher juste ici. Oh là là, il la verra jamais. Voilà, comme ça. Et la deuxième, je vais la cacher... juste ici. Oh là, oh, c'est parfait. Elles sont vraiment bien cachées là. Voilà, c'est parfait. Mon plan se passe super bien. Je vais juste vérifier si Bilal, il est toujours dans le jacuzzi. Wesh, il arrive. Faut que je me dépêche. Allez, hop. Je vais tout faire sous le lit. Allez, 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 allez. Hop, voilà, comme ça. Allez, vite, faut pas que Bilal, il me voit dans sa chambre. Allez, hop. Je vais refermer la pièce secrète. Tac. Voilà, j'enlève la chaise. Allez, 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 allez. Allez, vite le rideau. Hop. Tu fais quoi toi de lag là? Bah rien frère, j'étais en train de préparer une vidéo YouTube. Mais là, je t'ai déjà dit, tu rentres pas dans ma chambre. C'est bon, c'était pour une vidéo. Sortez, sortez, vas-y, sortez, sortez là. C'était malade ou quoi? On a eu chaud. Oh, la prochaine fois, tu me demandes avant de rentrer. C'est un fou lui, je comprends pas. Mais pourquoi mon lit il est comme ça là? Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Je suis sûr, il s'est amusé à sauter dessus. Mais c'est quoi ça? Toi de lag, tu faisais quoi là? C'est quoi ça? Les gars, je stresse de ouf. Bilal, il est dans sa chambre. J'ai trop peur qu'il découvre tout ce que j'ai caché sous son lit. Faut que je trouve une solution. T'as besoin d'aide? Mec, c'est parfait, tu vas m'aider. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Là, faut vraiment que tu trouves une solution pour éloigner Bilal de sa chambre. Ok. Oh, c'est quoi ça? Je t'ai dit combien de fois? T'arrêtes de laisser traîner des Bilal, trucs dans comment ma chambre. Il va? Ça va et toi? La femme, tranquillement? Ouais, je t'ai dit quoi par rapport à ça? Ça va, j'ai pas fait exprès. Non, Bilal, regarde la vue de malade qu'on a. Ça fait 3 semaines qu'on est là, 3 semaines qu'on est enfermé dans le chalet. Et on va faire un peu de luge. Sérieux? Bah ouais. Tu viens toi le like? Non, moi je dois finir ma vidéo. Vas-y, c'est bon. Vas-y, tu sais quoi, on y va ensemble. J'en ai juste pour 5 minutes, je me change, c'est bon ou pas? Vas-y, je t'attends. Vas-y, j'arrive. Allez, dépêche, s'il te plaît. Par contre, si tu peux l'occuper une bonne heure, ça m'arrange de ouf. Toi de là que tu peux compter sur moi, je vais l'occuper au moins 4 heures. C'est parfait mec, let's go les gars. Eh hey, Bilal, je t'ai ramené dans l'un des meilleurs spots pour faire de la luge. Ouais. Et pour ça, je t'ai sorti les deux meilleurs éléments de mon écurie. C'est vrai, elle tue. Ça c'est la bécane numéro 365. Ouais. Elle va hyper vite sur les virages. Ça c'est la bécane numéro 7. Un conseil, impossible de servir d'elle sans servir des freins. Sinon tu parles mal. Du coup, viens, on va monter un peu. Je viens d'ici depuis que je suis tout petit, tu sais. Je connais bien la vallée. Et franchement, ça fait plaisir de t'accueillir et que t'es libéré du temps. Parce que depuis qu'on est là, on n'a pas eu le temps de faire tout ça, Bilal. Bah ouais, mais là tu veux faire quoi? Tu veux faire une course contre moi là? Bah déjà, viens, on apprend déjà à manier bien les luges, tu vois, parce ouais, que mais franchement... attends, tu veux te frotter à moi là? Bah clairement, ouais. Genre là, tu crois que tu vas gagner? Eh hey, Bilal, je connais la vallée depuis que je suis tout petit, et n'essaye même pas d'entrer dans la compétition avec moi, en fait. Ça veut rien dire, ça veut rien dire, là. Vas-y, viens. Je vais t'apprendre les choses, viens. Ok, c'est bon, Bilal est parti, je vais enfin pouvoir installer ma pièce secrète et regarder tout ce que j'ai préparé. Là, on a un maximum de bonbons, là j'ai plein de chips, de la boisson et regardez ce que j'ai prévu pour m'occuper. J'ai pris un ordinateur, une tablette et j'ai même une mini borne d'arcade. Si ça c'est pas incroyable, bref, là il faut que j'installe tout ça très très vite parce que Bilal il va pas tarder à revenir. Donc allez, hop, direction la pièce secrète, voilà.
Bon les gars, la première étape pour faire une vraie pièce secrète gaming, c'est de mettre des LED de partout. Et pour ça, j'ai tout prévu. Regardez-moi ça, il y a plein de bandes LED. On va faire une vraie gaming room. Allez, j'installe tout ça, c'est parti. Bon Bilal, tu te sens prêt ou quoi? T'as beaucoup parlé hein. 3, 2, 1, ouah, t'es parti à bonbon. Ouh, sale tricheur, va. Tricheur. Je me suis fait trop mal. Bilal, j'espère que tu vas bien. Mais pourquoi tu m'as poussé toi aussi? Regarde, j'ai été puni, j'ai failli tomber dans le caca de chien. J'en ai pas sur moi là, c'est bon? Non, t'inquiète, y'a rien. Ah, c'est déjà là avant. Mais je vais bien lui prendre ma revanche, Bilal. Vas-y, go, let's go. Ok, c'est bon, je viens de tout installer. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1, pom pom pom. Regardez-moi ça, si ça c'est pas incroyable. On dirait vraiment une vraie pièce secrète gaming. Bon, maintenant la deuxième étape, c'est d'aller chercher toutes les provisions pour pouvoir tenir le plus longtemps possible. Donc là, je vais ressortir. Hop, j'espère que Bilal n'est pas encore revenu. Allez. Et... oula, attends, c'est grave chaud pour descendre. Ouf. Allez, faut que je me dépêche parce que là, Bilal, il va bientôt arriver. Faut que je prenne un maximum de choses. Allez, hop, les M&M's, les Pringles, le Fanta. Allez, allez, faut qu'on fasse vite. Hop, je mets tout ça dans la pièce secrète. Voilà. Et surtout, j'allais oublier le plus important. Regardez-moi tout ça, les gars. J'ai plein de bonbons. Je vais me régaler. Allez, hop, je prends tout ça avec moi. Tac, tac, tac. Non! Non! Mais bon, bon! Allez hop, j'y vais! Frère, c'est une piste de ski ça, t'es malade, tu veux qu'on se tue? Ah, je commence à partir tout seul! Allez, go, on y va! 3, 2, 1. Ah! C'est bien, pousse-toi! Ça va Bilal? Ah Bilal, ça va? T'es foncé en fond dans l'arbre, tu vas bien? Je t'avais dit que c'était dangereux Zilié. J'espère que ça y est, moi je rentre. Non Bilal, j'en peux plus. T'es malade, regarde, j'ai failli me tuer là. Relève-moi. C'est sûr que t'arrêtes. Relève-moi Zilié, relève-moi. Ça va? Mais regarde, mon véhicule il est RSV. Mais quelle idée d'installer un arbre ici aussi. Mais quelle idée de descendre ici surtout. Désolé Bilal, je savais pas que t'allais foncer droit dans l'arbre. J'y suis pour rien. C'est la dernière fois qu'on faisait celle-là, ok? Mais c'est la dernière fois tout court, moi je rentre, allez. Bilal, non, faut pas que tu fasses ça. J'en ai marre, c'est bon. Bilal, là, c'est bon, j'en ai marre. Bilal, la montagne elle t'aime. Peut-être que toi t'en as marre, mais elle, la nature elle t'aime. Laisse-moi tranquille. Ça y est les gars, ma pièce secrète est enfin terminée. Regardez-moi ça, comment elle est incroyable. Alors attendez, je vais vous la présenter. Là, j'ai mis tout le stock de bonbons. Là, j'ai mis les boissons, les M&M's, les chips. Et j'ai même une toute petite borne d'arcade pour m'amuser. Franchement, ma pièce secrète, elle est incroyable. J'aime trop. Les amis, en attendant Bilal, je vais vous montrer comment je prépare mes pièces secrètes. Alors déjà, c'est simple. Premièrement, j'effectue tous mes achats en ligne sur l'application iGraal. Parce que grâce à iGraal, je me fais rembourser une partie de ce que j'achète. Ça s'appelle le cashback. Regardez, par exemple, là, pour ma prochaine pièce secrète, il faut que j'achète plein de décorations gaming. Donc, je vais aller sur ces discounts, voilà. Et regardez, je peux activer jusqu'à 2% de cashback. Je l'active, et là, regardez mon panier, il est déjà prêt. J'ai plein de décorations gaming pour faire la meilleure pièce secrète. Et sur les 100€ que je vais dépenser, je peux récupérer jusqu'à 2%. En moyenne, chaque utilisateur d'iGraal récupère 120€ par an. En plus de ça, le cashback est cumulable avec les codes promo et les soldes. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et pour tous ceux qui se demandent comment ça fonctionne, en gros, iGraal récupère une commission auprès de tous ses marchands et la redistribue à sa communauté. C'est totalement gratuit et sécurisé. Et regardez, j'ai déjà 10€ sur mon compte iGraal. Et à partir de 20€, tu peux retirer soit par virement, soit par PayPal, soit par chèque cadeau. Et pour finir, j'ai un petit cadeau pour vous. Si vous téléchargez iGraal avec le lien dans la description, vous allez récupérer 10€ au lieu de 3€ sur une inscription classique. On dit merci qui? Merci iGraal. Les gars, regardez tous les bonbons que j'ai. Il y en a tellement, je sais pas lesquels choisir. Attendez, j'ai une idée. Là, j'ai des bonbons Orangina et là, j'ai des vraies bouteilles d'Orangina. On va goûter et comparer pour voir si ça a le même goût. Bon, je commence avec le bonbon. Ok, ça c'est validé, c'est super bon. Et maintenant, la bouteille d'Orangina. Tac! En vrai, ça a le même goût, hein. C'est bien fait. Les amis, ce que je préfère le plus dans ma pièce secrète, c'est ma mini borne d'arcade. Regardez-moi ça. Je peux faire plein de jeux dessus et ça marche vraiment. Regardez, là, il y a un petit joystick et c'est moi qui contrôle. C'est un délire. En plus, dessus, il y a plein de jeux. Ça remplace pas une PS5 ou une Nintendo Switch, mais là, dans ma pièce secrète, j'avais pas le choix. C'est beaucoup trop petit. Par contre, faut que je sois un peu plus discret parce que je sais pas quand c'est que Bilal va rentrer. Oh, les gars, je viens d'avoir une idée. Regardez, dans ma pièce secrète, j'ai de toutes les couleurs. Regardez ma boisson, elle est violette. Là, j'ai des
M&M's de toutes les couleurs, des chips de toutes les couleurs, des bonbons de toutes les couleurs. En gros, je vais tourner la roue de Stumble Guys et la couleur du skin que je vais avoir, c'est la couleur des aliments que j'aurai le droit de manger jusqu'à la fin de cette vidéo. En vrai, j'espère que je vais avoir le jaune parce que dans le jaune, j'ai les Pringles paprika, j'ai les M&M's, j'ai le Fanta, enfin j'ai tous les meilleurs trucs quoi. Allez, c'est parti. Je fais un lancer. En plus, le jaune, c'est légendaire, c'est ultra rare. Mais non, mais pourquoi j'ai dit ça les gars? Je vais avoir une couleur toute pourrie. Oh, le jaune, stop, stop, stop. Oh, violet, violet, violet. Oh, j'ai eu du violet les gars. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai le droit de manger que du violet. Donc regardez, on va tester le Fanta violet. Je sais pas du tout quel goût ça a. Ça se trouve, c'est pas bon du tout. Oh là là. Ouh, ça sent bon. Allez, c'est parti. Wesh, c'est quoi ce goût? C'est bizarre, mais en même temps, c'est super bon. Attendez, j'ai quoi d'autre de violet? J'ai que ça? Non, c'est pas possible. Attendez, j'ai quoi d'autre en violet? Oh, oh, let's go, les gars. J'ai les M&M's violets. Je crois que c'est les M&M's tout en chocolat. Oh là 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 là, la dinguerie. Ça, c'est mes M&M's préférés, les gars. Et le dernier aliment violet que j'ai, c'est le Coca-Cola chéri, les gars. C'est mon Coca préféré. En vrai, ça va. Je me débrouille pas mal. J'ai eu des M&M's, du Fanta et du Coca. Bon, à partir de maintenant, il faut que je fasse le moins de bruit possible. Parce que Bilal, il peut arriver d'une minute à l'autre. Et si jamais il m'entend, c'est foutu. Il n'y a pas de vidéo. Les gars, ma pièce secrète, elle est incroyable. Bon, là, faut que je fasse un peu de moins de bruit parce que Bilal, il va pas tarder à arriver. En attendant, je pense que je vais me faire... Moi, bon, je vais me boire une petite bouteille d'Origina, j'ai un peu soif, mais ma pièce... Chut, oh les gars, il y a Bilal. Oh, regardez, sur la caméra de surveillance. Oh, les gars, incroyable, on voit tout. Faut vraiment pas que je parle fort, sinon il va m'entendre. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis sur son lit, là, il est au téléphone. Attendez, je vais écouter ce qu'il dit. Ça se trouve, il est au téléphone avec sa copine. Franchement, j'ai pas hâte de rentrer, là. Oh, je me sens trop bien ici. Il y a un sauna, il y a un jacuzzi, il y a une piscine. Par contre, ce qui est bien, c'est comme il a des écouteurs dans les oreilles, je peux parler un peu plus fort, il m'entendra pas. Par contre, les gars, la caméra de surveillance, c'est incroyable. Je vois tout ce qu'il fait, regardez-moi ça. C'est un délire. Oh, j'ai faim. J'ai trop faim. Je vais aller manger au moins. Oh. Il a dit qu'il allait manger. Oh non, ça veut dire qu'il va déjà partir de la chambre. Mais non, ça venait à peine de commencer. Ça y est les gars, Bilal il est sorti de sa chambre. Là, il est allé manger. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir discrètement de ma pièce secrète. Allez les gars, c'est parti. J'ouvre la trappe. Oh là là, c'est super haut les gars. Regardez-moi ça. Faut pas que je tombe. Je sais même pas comment je vais faire pour remonter. Et... Ah, je galère à descendre les gars. J'ai oublié ma caméra. Bon les gars, maintenant je vais essayer d'espionner Bilal pendant qu'il est en train de manger. Ça va être très très dur, mais chut. Ah, t'as bien mangé, ça coûte. Oh, mais j'ai bien mangé. Vas-y. Oh, ça coûte. Oh, ça coûte. Oh, ça coûte. Oh, il est trop fou, ça coûte. Ça dingue. Mais les frères, toi, mec, il est où? Je sais pas, je l'ai pas vu du repas. Il est pas bien mangé. Les gars, il y a Bilal qui vient de demander où j'étais. Ok, faut vite que je retourne dans la pièce secrète avant qu'il revienne. Regardez-moi ça, comment je fais pour revenir là-haut? Ça va être très très chaud. Ah, il faut que je remonte. Ouh. Oh, comment c'est chaud. Allez, vite, faut que je me dépêche avant que Bilal revienne. Oh. Allez, vite, faut que je referme la pièce secrète. Hop. Ok, c'est bon, j'ai réussi à retourner dans la pièce secrète. Ouh. J'ai eu chaud. Par contre, maintenant, faut vraiment pas que je fasse de bruit parce que Bilal, il va pas tarder à revenir. Donc là, chut. Il y a Bilal qui est de retour dans sa chambre. Oh, comment j'ai eu chaud. Regardez, il est là. Il est en train de m'appeler, les gars. Je peux pas répondre. Là, il me demande où je suis. Je vais lui envoyer une photo. S'il savait que j'étais juste au-dessus de lui, oh, il m'a répondu. Il m'a dit, waouh, ouais, c'est où ça? Les gars, regardez, il est en train de me répondre. Je lui ai répondu que je pouvais pas, que j'étais dans une pièce secrète. C'est incroyable, les gars, j'aime trop. Mais wesh, c'est où cette pièce secrète? Là, il me demande où c'est que je suis. Est-ce que je lui dis que je suis dans le chalet ou pas? En vrai, vas-y, je vais lui dire, il me trouvera jamais. Ok. Par contre, je lui dis pas que je suis dans sa chambre, sinon c'est cramé. Je suis mort, les gars, regardez-le. Il est sur le lit. T'es dans ta chambre, je suis sûr. Attends. Oh, il est parti dans ma chambre. Il va jamais me trouver. S'il savait que j'étais caché juste ici et que je voyais tout ce qu'il faisait. Ok, les gars, je vais donner un indice à Bilal. Je vais lui dire que je le vois. Je te vois. Tu es sur ton lit. Il va péter un câble. Oh, incroyable, regardez, regardez. Il est en train de chercher. Mon lag, sors de là. T'es où? Il est en train de regarder de partout. Bah, comment ça, il me voit? Comment il sait que je suis sur mon lit? C'est la meilleure vidéo que j'ai jamais fait. C'est trop bien, wesh. Par contre, il est passé où là? Je le vois plus. Ok, les gars, là, je sais pas ce qu'il fait, Bilal. Oh, ok, je crois qu'il va dormir. Oh, ça va être incroyable. Vous savez quoi? Quand Bilal, il s'endort, je vais sortir de ma cachette. Oh, ouais, regardez, regardez. Il va vraiment s'endormir. Les gars, il est en train de dormir là. Je vais essayer de le faire peur. Oh, regardez. C'est quoi ça? C'est qui ça? J'aime trop.
Ok les amis, là c'est sûr, Bilal il est en train de dormir bien profondément. Regardez, il bouge plus depuis tout à l'heure. Donc là, je vais sortir de ma pièce secrète et je vais essayer de lui faire peur. Oh, ça va être incroyable. Allez, c'est parti. Allez, ok. Ok, c'est galère de sortir à chaque fois. Oh, ça va être incroyable les gars. Ok, c'est bon, je vous prends avec moi. Ok, j'ai réussi à descendre. Maintenant, faut que je sorte discrètement. Oh les gars, c'est incroyable. Regardez, Bilal il est juste là. J'ai eu chaud. Oh les gars, j'ai hâte d'avoir une idée de fou. Là, je vais mettre un maximum d'objets sur le lit de Bilal. Comme ça, demain, il va se réveiller. Il va rien comprendre. Ok, c'est bon, je suis de retour dans ma pièce secrète. Et regardez-moi ça, les gars. Oh, j'ai trop hâte de voir le réveil de Bilal. Ça va être une dinguerie. Regardez, wesh. Oh, ça va être incroyable. Les gars, moi, je vais me reposer un petit peu tranquillement dans ma pièce secrète. Et on se retrouve demain matin pour le réveil de Bilal. Ça va être une dinguerie. Bon, je vais me reposer un peu. Bonne nuit. Oh, c'est quoi tout ça, là? Oh, comment c'est trop drôle. Il comprend rien, ma Bilal. Oh là là, j'aime trop. Vous savez quoi? Quand il va se rendormir, je vais redescendre et je vais refaire la même chose. Oh, j'aime trop, les gars. C'est incroyable. Quoi, la poubelle? Il est dégueulasse, ce mec. Les gars, il est en train de m'appeler. Ok, est-ce que je lui réponds? Ouais, t'es où? Hein? Ouais, faut que t'aies l'enfer. T'es sérieux, là? Mais c'est pas moi. Les gars, Bilal il est sorti de sa chambre, il est en train de me chercher de partout. Vous savez ce qu'on va faire? On va le rendre fou. Là je vais redescendre, je vais tout remettre sur le lit et je vais remonter comme si de rien n'était. Allez c'est parti. Tac. Les gars. Oh. Tu fais quoi là? Non. Vas-y. Non, non, non. Ah. Tu fais quoi? Putain, je... Arrête, arrête, arrête. Je te cherche. Tu fais quoi ici? Et c'est quoi ce truc de fou là? Pourquoi il y a une trappe? Depuis quand? Non mec, je suis dégoûté. Ça allait être incroyable. Attends, attends, attends. T'as fait une pièce secrète là au-dessus de mes toilettes, c'est ça? Ouais. Malade, et pourquoi tu m'as fait tout ça là? Bah c'est... Du dentifrice de partout, t'es sérieux là? Ah bah c'était grave drôle. Tu m'as brûlé le visage. C'était grave drôle, wesh. Qu'est-ce que c'est drôle? Vas-y, descends de là. Descends. Non arrête, mais tiens pas, je vais tomber, je vais... Allez, arrête. Descends. Attends, viens voir ma pièce secrète, wesh, elle est magnifique. J'ai vu l'heure qu'il est, il est 3h du matin. Mais c'est bon, viens voir, elle est incroyable. Attends, laisse-moi un peu de place. Vas-y, viens voir gros. Mais wesh, t'as mis combien de temps à faire tout ça là? T'as vu la pièce secrète de Zinzin? Elle est incroyable. Mais attends, oh, c'est mes préférés en plus. Mais t'as pas encore tout vu, regarde derrière toi. Il y a tout ça, wesh. Mais quoi, moi je vois rien. Mais non, des bonbons, de l'Orangina, des Pringles. Ah mais tu t'es mis bien toi de la gueule. Par contre, tu sors de ma chambre, c'est déjà dit. On rentre pas dans ma chambre, allez descends. Oh là là, mais ma pièce secrète, elle était incroyable. Je voulais rester plus longtemps. Vas-y, fait chaud ici, vas-y descends, vas-y. Sors d'ici, c'est fini, je t'ai grillé. Bon les gars, on n'aura pas tenu super longtemps dans cette pièce secrète, mais en tout cas moi j'ai bien rigolé. Encore merci à Igral d'être partenaire de la vidéo et oubliez pas d'utiliser le lien en description pour bénéficier de 10€ au lieu de 3€ sur une inscription classique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. C'était toi de Nag. Ciao.